Le docteur Eden est le Séraphin. Il était avec nous pendant tout ce temps. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas la peine... Vous devez voir ça, parce que il ne va pas bien. Il lui arrive quelque chose et personne ici ne sait ce qui se passe. Bien, à vrai dire, nous ne savons pas encore. La sphère de vie du Père se trouve au sommet du Sanctum des Morts, dans les marais de soins infernaux. Mon corps, il subit une rapide transfiguration. C'est pourquoi j'ai besoin du Père. Bannez la tombe et emparez-vous de la sphère de vie du Père. Redonnez-lui enfin sa forme physique. Je ne vous accompagne pas. Les Beckers ne peuvent pénétrer dans le royaume des ténèbres. Alors je vous attendrai au Sanctum. Le Séraphin ne peut pas s'emparer de la sphère. Ça lui est interdit. J'ai l'emplacement des marais de sang en ligne. Soyez reconnaissant. Malgré vos transgressions, vous avez de nouveau l'honneur de servir les dieux. Alors, on a notre nouvelle destination. Oui, sérieux, hein. Marée du sang. Voilà notre nouveau. Ah, je vois que votre mission est de détruire la sphère, pas de la récupérer. Monsieur, c'est pas ce que le docteur Hayden, le Séraphin vous a demandé, monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le marée du sang quand même? Les marées du sang sont un cloaque nauséabond et malsain arrosé de pluie acide qui s'étend en perte de vue au sein de l'enfer dominant. La fange de toute sa hauteur, le Sanctum d'Igmor se dresse jusqu'au nuage vestige solitaire du passé de l'enfer. C'est là que le Père dispensait sa sagesse et supervisait ses œuvres. Et c'est là que repose la sphère de vie. Le Sanctum est un mausolée des dieux et les sphères sacrées sont protégées par un rituel immémorial, l'épreuve de Maligog. À l'époque de la croisade impie, des sentinelles nocturnes s'aventuraient seules dans les marais pour chercher à surmonter l'épreuve et accéder à la dernière demeure du grand créateur. Nul n'y parvint jamais. Les légendes des Argentis racontent que leurs esprits sont condamnés à errer éternellement sur les lieux de l'épreuve jusqu'au jour où un être se verra accorder le passage. Comment ça se passe avec ces espèces d'œufs là? Oula! Ah d'accord, en fait dès qu'on s'approche... La machine de l'acide... Ah et puis ça repousse! Ah mais c'est... terriblement dangereux leur truc hein. Je peux grimper là-haut? Ah, peut-être en faisant ça. Ah. Qui c'est qui me tire dessus là derrière? Bien. Oula! Oh putain! Waouh! Ah ouais, non, mais ceux-là, je les connaissais pas, mais...
Putain, la taille de... Merde. Ah mais la taille du truc. T'es mort. Ah merde. Je voulais le voir tomber. Non, il était pas tombé en fait. Ah ouais non, ah non, il est pas mort en fait. Oh putain. Là il est mort. Quelle saloperie. Ensuite... Comment je fais pour grimper là-dessus? Peut-être remonter là-haut. Alors là, comment on fait pour aller par là? Entre les jets d'acide et les... Ok, ils veulent qu'on aille... C'est un peu con quand même que nous. Nous comment... Nos tirs n'arrivent pas à péter des œufs. Ah, tiens, ça faisait longtemps lui. Pas manqué lui non plus. Il aime bien mon... Le canon. Putain, les mecs qui se foutent entre moi et la cible au moment où je tire, c'est très désagréable. Il est déjà casse-pied à pas pouvoir tout le temps attaquable, mais son toutou à la rigueur il a accepté parce qu'il fait partie du boss, mais le reste. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a par là? Que dalle. Alors, comment il compte nous donner l'accès quand on sera... C'est un peu bizarre, par en dessous là. Space. Ah! Si la scie, ça lui fait des trucs à lui. Il y a quelque chose là. Secret find.
une rune de soutien. Bah cette fois-ci on n'a pas eu l'histoire de la clé Slayer et tout le... Et tout le tintouin. Ok. Ah d'ailleurs il n'y en aura pas. Directement la rune en fait. Ça se trouve l'histoire de la clé du portail, c'était pour introduire le futur et les runes de soutien. Ça nous a ouvert la grille. Par contre, j'ai l'impression que mon chemin c'est par là. Allez, on est passé. Combinaison. La tentacule, je l'ai eu. Ça, c'est une combi radioactive. Ok. Il y a un niveau en dessous là. D'accord. Je comprends mieux. Livre de Séraphin, partie numéro 5. Bien vu l'histoire de la flotte. Un truc à aller voir en dessous là. Ah et en fait il faut passer en dessous. Ça c'est pour notre combi, ça nous emmène du... Alors par contre faut que je trouve l'endroit où... Voilà. C'est la carte. Hein. Nickel. Il doit y avoir une vie pas loin à aller choper. La petite ligne. Par contre, ça me dit pas où je dois aller. Ah là là, d'accord, ok. Saleté d'acide. Ensuite, ok. Ah merde, j'ai plus de balles. Ça c'est là où on était tout à l'heure. Par contre ça me... Ah oui d'accord, ça a été ouvert plus bas. Waouh, la taille de la tentacule là.
c'est la clé qui ouvre l'accès à la tombe du père. D'après nos données, elle devrait être sur la crête d'une montagne juste après cet hôtel. C'est l'origine du royaume du père. Terminer les épreuves. Si on avait une vue un peu d'ensemble. J'ai peur de l'épreuve, hein. Deux possibilités. Bon, ça paraît kiff-kiff, hein. On a l'impression que c'est un peu symétrique tout ça. C'est belle là, enfin. Oula, qu'est-ce qu'il me... Il y a un truc d'acide là. Merde, mais c'est quoi ce truc? Je vois pas du... Alors, je comprends pas du tout ce qui me... Ce qui me pique de la vie là. Avancer ou quoi? Non, on va faire le Ah, il faut être là où il y a le chien en fait. Je comprends. Si je veux absolument choper le... Je peux l'avoir ou pas? Faudra que je monte là-dessus. On va voir. Je peux tourner ou pas? Ouais. Attends. J'ai l'impression que je suis tout prêt mais que... Yes! Je l'ai chopé. Livre des Séraphins. Partie 7. Alors je pense que si on va de l'autre côté, on aura le partie 6 qui nous manque. J'ai dû légèrement m'écarter de la voie du toutou pour pouvoir y aller. Ok. De nouveau à l'abri.
Ah putain. Ça faisait longtemps qu'on... Comment la paix, alors je m'occupe de lui. J'étais en train de regarder ma tronçonneuse, je me disais j'avais un peu de carburant sur moi. Oh merde, y'en a. Elles sont potes. Non, c'était pas pour toi. Ça commence avec le toutou là. Que je voyais un petit peu. Qu'on a traversé, ok. Ils aiment pas hein, cette arme généralement. Putain, ça l'a pas tué. Je dirige vraiment alterné avec le pied. Attention. Ah, j'ai pas... Il y a deux de notre crevée. Recommence. Merde, il passe de l'autre côté. C'est pas cette arme que je veux. Ah là là, leur bouclier. Merde. J'ai plus de balles de fusil. Et merde. T'as remis, j'ai vu au bout de balle. Si je tire avec le BG9000 sans trop le vouloir. Tout, t'es où? Allez. Putain, c'est vrai qu'il y a deux shoots à... Putain. Dans ses patounes. J'ai l'impression que
change pas trop d'état. Merde. Je suis pas bien là. Le toutou. Ah! C'était enfin fini ces conneries. Alors, voyons voir un petit peu là dans tout l'environnement qu'on a traversé. Alors, on a chopé ce qu'on devait là. Il y a encore un combat un peu particulier là-haut. J'ai bien envie d'aller tester ce qu'il y a. Ce qu'il y a à faire également. Une chose là-haut. Super. Ah, ça je sens que je l'ai aimé. Hein. J'ai pas compris pourquoi mon saut a pas. Ok. C'est quoi cette armure? Ah, ça me redonne full armure, d'accord. Je m'attendais à un truc un peu plus plus exotique, mais bon, c'est déjà bien. On va se plaindre. Comment j'accède à ce truc? Par là, on dirait. Alors malheureusement, en voulant passer par là, on a une espèce de mur invisible. Peut-être que par là, en sautant là, on aurait la hauteur qui irait bien. On va le tenter. Finalement, on va repartir d'où on vient. Tenter tout droit. Oula, s'approcher c'était juste un secret trouvé. Alors maintenant c'est ouvert ici. D'accord. J'ai pensé que quand j'avais été sous l'eau qu'il y avait eu un secret et que j'avais rien trouvé. Et voilà. Le truc de confrontation. BG 9000, histoire d'éradiquer tout ça. Bon, j'avoue, c'est un peu excessif comme méthode 2, mais une efficacité redoutable. Surtout qu'ils ont l'air de nous cacher des munitions un peu partout sur la map, donc on peut se le permettre une fois de temps en temps.
Allez, on va pouvoir reprendre une activité normale maintenant qu'on a fait ça. Il va falloir sauter partout, hein. Ouais. J'ai pas bien vu, hein, ce cas. Pourquoi ça a pas voulu s'accrocher là? M'explique. Hein. Ah, quoi qu'attend. D'accord, il y a des grilles qui... C'est des grilles en fait. Ah, et puis il y a du poison qui se machine, ok. C'est vraiment un truc salopard. Hein. Oh putain! Allez! Je joue après. Oh putain! Elles sont bien amusées à nous faire un truc comme ça. Ok. Esprit. L'esprit est capable de posséder des démons, ce qui les rend résistant. Lorsqu'un démon possédé est tué, l'esprit apparaît, ce qui est vulnérable, ce qui le rend vulnérable au module rayon à micro-ondes du fusil plasma. Putain, on va jouer les Ghostbusters. Si l'esprit n'est pas tué, il cherchera un nouveau lot. Putain, le timing. Un peu château quand même. Alors, nous sommes là, on est bien. Toi, c'est fait. C'est bon, arrête de me bloquer, mon dieu de jeu de merde. Putain, mais il a de la colle ou quoi sur les pattes, hein. C'est dingue, hein. Ah putain, j'avais pas le bon truc.
contre, le côté glu est extrêmement agaçant. Hein. On a vraiment l'impression qu'il est... Ok, là je suis bien. Surtout que j'étais persuadé d'être sur le bon. C'est un peu con ça, ce que je viens de faire. Par contre, s'il n'y a plus personne d'autre à se mettre dedans, il fait comment ? Toujours des petits... énervant hein, leur truc de colle là. Allez, hasta la vista, baby. Quelle saloperie. Puis j'en avais pas parlé, ça, de là dans la description du. Que je me frotte et que je vais rester près de toi. Alors, des mules avant de partir loin dans les airs. Quand il y a des mines comme ça, ça veut dire que c'est avec Bad Dad. Hein. Oui, de toute façon, c'est une arène où ça va être la merde. Je le sens bien. Alors attends. Je pense que il y avait un signe du destin, si on nous l'a donné, c'est qu'on nous, on voulait qu'on fasse de grandes choses avec. Par contre j'aimerais bien qu'ils soient tous là. Putain, et lui il est pas mort. Tout ça parce que j'ai une espèce de merdouille qui est venue devant moi. Ah putain, ça me dégoûte. Prévu la téléportation. Bon, alors, reprenons nos affaires habituelles. On va générer un peu de bouclier de vie tout autour. On va se préparer un peu pour s'il y a des gros monstres verts. On va faire tomber l'armure. Voilà, on est bien. Il est où, gros, là ? Alors, quel est le prochain gros là qui va nous... Ok. Et les Rocketman là-haut. Si je vais réussir à me les faire, c'est... Oh, il y a du... J'ai identifié au moins 4 Rocketman. Il n'y en a plus que 3 maintenant. Il y en a 2. Ouais, ils sont toujours là-haut. Pas facile de viser dans tout ce merdier. Hein. Puis alors j'ai plus de balles. Hein. Je suis trop loin pour faire quoi que ce soit.
Ah, des morts renforcés. Baliste. C'est là où le jeu part complètement en couille. J'ai pas vu un truc possédé là. Ouais, non, valide. À mon avis, il est possédé. Bon. Ça rend les choses un peu compliquées. On va refaire un tour de balle, de calme. Il en fout, lui, bon. Ah. Yes. Ah, je suis bloqué. D'accord, c'est lui qui fout la merde. Pas jouer de ma tronçonneuse, c'est dégueulasse. Même pas s'il est mort. Non. Là il est. Il va me falloir du bleu pour Ah oh, putain, il y en a un autre quoi. Ah oh, putain, et je commence à être j'ai plus que ça comme arme. J'ai bien envie de me réserver quelques balles quand même. J'ai une deuxième épreuve qui m'attend. C'est dingue cette affaire. Putain. Faut que je réserve mes balles pour le... Cette espèce de salopard là. Voilà, déjà on va être bien là. Il y a un cochon transparent là. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste comme bestiole qu'il vaut mieux éliminer maintenant? Ça c'est de la petite racaille. Il semblait avoir vu à un moment donné un serpentin. Bon, ça a l'air d'être ok, bon bah, on va aller se faire notre ami. Thank you.
Il est là, ce pampin. Comme depuis tout à l'heure, il fait des timides en fait. Qui pourrait lui en vouloir? Première épreuve, on dirait qu'on l'a terminé avec brio. Puissiez-vous servir les Makers dans toute leur gloire. Les données indiquent que des centaines de guerriers sont morts juste pour tenter de voir le père. Ok. Donc, on a visité par là. Bah maintenant, on va aller faire l'autre côté. Oula, l'acide. Il faut continuer. Chut. Quelque part par là. Mange que ça, mon gros. Ok. Next. Putain, cette histoire de vie là. C'est pour plus tard. Hein. C'est pour plus tard, à moins que. Ouais. On peut voir si c'est par là que ça se passe. Hein. On va continuer sur notre chemin. Des balles, j'ai ce qu'il faut là. Secret trouvé. Une vie supplémentaire. Bien caché. Je préférerais avoir un peu de hauteur. Elle est où cette vie là? Encore là en dessous. Totem, merde. Trouvons le totem avant de. C'est bon, arrêtez de m'agresser et montrez-moi votre totem. Phénomène de blocage, mais sortez-moi ce truc du jeu. C'est. Même s'il fallait une caisse, mais. Putain.
puis on va faire un peu le ménage, mais... Je sais plus si ça les rend. Putain, juste plus fort ou si ça les fait revenir. J'ai peur que ça les fasse revenir, j'ai un doute. Hein. Non, je crois que ça les rend juste plus fort. Par contre, ça c'est chiant que ça aussi. Ça, gris qui arrête. Putain, mais c'est marrant, ça me paraît évident de pouvoir passer par là, mais tout à l'heure quand je suis passé, je l'ai pas vu. Je l'ai moins vu. Oh merde. Comment on enlève cette grille de merde là? J'ai pas trop envie de la planter lui pendant qu'il y a ça. Ça va faire comme tout à l'heure. Tout de suite je vois pas mais... Non mais hé, t'es obligé de me suivre toi. Putain l'affreux. Je sens qu'il y a des trucs qui peuvent tomber. Bon, je vais arrêter le temps comme ça parce que ça me fatigue. Là, il y a quelque chose, mais il y a une grille devant. Donc il faut appuyer sur le bouton pour libérer. Putain. Là, il y a quelque chose, mais... Bon, je peux pas passer par au-dessus. Bon, sinon, je vais l'éliminer. Hein. Non, il est... Je sens qu'il était hésitant. Oula. C'est pas bon, quand. Il va arriver à Rivin, hein, à force de trouver la solution. J'ai décalé là au moment où il fait son truc vert. Hein. Là, je me retrouve bloqué.
Alors, pas du tout amusant, parce qu'en fait, j'ai passé mon temps à chercher, à trouver un truc, alors qu'en fait, il fallait juste buter. Ouais. Pas... Ouais, pas fun. Pas fun, c'est dommage. Ok... Ah tiens, les esprits, garde tes balles Fred, parce que... comment tu fais quand t'as plus les balles bleues, messieurs les développeurs? C'est sympa, hein. Une fois vous faites un truc très fun. Une fois, j'ai pas les balles qui vont bien. Puis, son il a disparu parce qu'il n'y a pas d'ennemis pour se réincarner. Mon dieu. Ça fait quand même deux loupés là. En termes de plaisir. Alors, une caisse. Où est-ce qu'il y en a une? Je me souviens pas en avoir vu une tout à l'heure quand on était par là. Là, il y aurait quelque chose, hein. Je fais comme ça. Chou. Ah, c'est là où on est arrivé tout à l'heure, ouais, ok. Sauf que ça ne dit pas où est la caisse. Un truc là. Avec une grille qui a disparu. J'avais oublié qu'il y avait une grille tout à l'heure. Ok. Ouh, ouh, ouh. Y'a pas un truc de vie de l'autre côté, hein. J'ai vu du gaz. Comment on... Merde, il y a un truc encore une fois là. Ça leur fait mal un peu ça. Pas de bol. Je suis à court d'essence. Hein. Pleine sèche. Ah, lui il arrêtera de m'agacer avec son œil. Supplémentaire, ça va faire du bien ça. Il manquait pas grand chose à lui.
Bon, j'ai un truc là-haut, mais je peux pas le... Je peux pas le boxer. Qu'est-ce qu'il me manque hein? Avoir d'où ici ça a rien fait d'autre hein. C'est fait hein. Je peux toujours pas le puncher lui. Hop. Oh my goodness. Il est de retour lui avec sa grosse mandibule. Ah, forcément il y a lui qui veut jouer avec moi mais je veux pas trop jouer avec lui en fait. Il est mort. C'est marrant, il est disparu, bon. Yes. Je peux pas y aller, ce sera peut-être de l'autre côté parce que là il y a. Ouais, il y a gris, je sais pas quoi, mais je peux pas. C'est pas de boule hein. L'armure. Top, 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 c'est moi. Fait du bien quand il y a pas de monstre quand même. C'est très mort hein. Ça c'est de l'autre côté donc nous on va aller par là. Je suis marré. Je vois que dalle. Où il est apparu, disparu non il est toujours là. Glory kill, glory kill. Ah mais il est pas mort lui. Oh putain. Ah merde. Il y avait un Ghostbuster en fer. Non, ce fantôme est là. Attention, il y a un cochon. J'aime bien les cochons invisibles dans l'eau et la brume. Hein. On les voit pas trop. On voit absolument rien. Celui de tout à l'heure, non? Qui s'est barré, qui a disparu.
laisse pas un Glorifil se faire. Ils sont très perturbants, hein, ces trucs qui explosent dans tous les sens, parce qu'on les prend pour des ennemis, alors qu'en fait, non. Je me rends pas bien compte des zones où j'ai le droit de sauter, et où je peux pas. Je peux pas appuyer sur le buzzer. Je peux pas appuyer pour mieux. Ah super. Au moment où je veux sauter, je sais pas si c'est la cible ou le mec qui m'a ralenti. Ouais, ok. Histoire de saut avec un timing. J'ai bien aimé ça. Ok. On a réussi. Du bien pour tu sois libéré. Il n'y a pas 36 solutions pourtant. Petit secret. Qu'est-ce qui se passe si je tombe? Ok. Si je tombe, je reviens là. Merci les développeurs, vous êtes joués. J'avais pas spécialement prévu de revenir ici. Mais... faire le chemin en sens inverse. Ok. Tour. Alors moi quand je vois les lieux, je pense que c'est quand on va pouvoir aller au dessus qu'on va pouvoir faire tomber une caisse, parce que là sincèrement ouais ok, faut pas sortir de Saint-Cyr, elle est juste au dessus. Bravo Fred de tes déductions. Ah, attends, parce que d'accord, là c'est là où on était tout à l'heure. Oh là, oh là, oh là, c'est quoi? Putain, on dirait les serpentins de la main là. Mais putain, ils sont invisibles. S'ils se mettent à être invisibles maintenant. Il n'y a plus personne, on peut se détendre. Alors, on est ici, visiblement. Si je me laisse glisser vers là, il y a quelque chose pour moi. C'est radioactif, ok. Ok, on peut trouver. Oh, on se détend derrière. Putain. Partie 6.
Il a dit que je te trouverais de ce côté-là. Codex. Partie 6. On va revenir. La suite. Okay. Ah, je ne peux pas aller derrière pour l'instant. Alors, affronter nos ennemis. Oh, lui, il est envoûté, lui. Il est envoûté. Il y a des mandibules qui traînent un peu partout, on va falloir se méfier. Je pense que si je peux me les faire avant, ça serait pas mal. Là, ça c'est fait. Et je pense que ça va ouvrir ici et je vais pouvoir aller faire un petit tour derrière. Oh putain! J'ai glissé! J'ai été beaucoup plus vite que ce que je imaginais. Ça va ouvrir quelque chose, hein, ouais, on va lire. Et là, il y a un petit coup de poing à mettre. Ah, j'ai eu peur que ça s'ouvre pas. On commence avec quoi? J'ai dû tirer deux fois parce que j'ai eu peur de pas pouvoir le faire. En plus, il y en avait un qui était un peu envoûté là. Donc voilà pour notre deuxième confrontation secrète. Il faut retrouver notre chemin maintenant. Fameuse porte. Ah là, ça recommence. Leur gaz qui monte. J'ai l'impression d'être dans Tomb Raider. Je trouve que c'est une composante sympa du gameplay, mais faut pas non plus qu'ils abusent, quoi. Pas dans Tomb Raider. Allez. Okay.
C'est moins compliqué une fois qu'on a fait le premier, mais ça reste largement pas simple. Hein. Yes. Secret. Fusil à pompe, mais il était pas sorti. Secret, la partie numéro 8. Là, j'ai l'impression que j'ai popé dessus, c'est tant mieux. Hein, bon. Sans meilleur la guerre ici. Okay, on va reprendre des forces. Faire le tour du proprio en même temps. De toute façon, on va le faire au moins 10 fois, pas mais. Bon, en tout cas, on a tout chopé, ça c'est bien. Maintenant, c'est la guerre. Oh bah disons j'ai de la chance de tomber dessus dans mes péripéties. Ah, t'en vas pas. J'ai un truc pour toi. Il est où l'autre avec son bouclier là?
Regarde, laissez-moi passer, merci. Merde, totem de boost proche. Elles en ont mis un. Oulolo, il y a lui. Checker les balles. Ah, attends, là, je crois que. Ça valait le coup. Hein. Est-ce qu'elle est efficace en mode sulfateuse plus plus? Je peux pas tuer, je suis bloqué. Là, là, là. Je sais pas mon CD lui. Oh là, oh là, oh là, je suis pas bien. Putain. C'est hallucinant hein. Quand le jeu nous bloque, plus rien à faire. Okay, dès qu'on fait plus de glory kill, c'est pareil. Putain mais alors lui il va me. L'envoûtement, ça leur donne un boost de vie. Allez, lâche-moi, merci. Derrière, les mecs, ils me foutent pas la paix. Putain, il y en a un autre qui est... Ça a été pénible le truc envoûté là. Allez là, un petit tour quand même. Les mumines. Puissiez-vous servir les Makers dans toute leur gloire. Avec ça, le bouclier serait complet.
tour. L'épreuve de Maligog. Tirer sur l'œil pour infliger des dégâts et finir par le paralyser. Une fois qu'il est paralysé, enfoncer. D'accord, ok. Oula. Ah ok, enfin, je me disais... Qui me paralyse encore? Ah ouais, il y a un truc qui me ralentit là. Ah je m'énerve, quand je commence à sortir la tronçonneuse. Original comme truc de l'œil. Je pense que maintenant c'est le gros en fait qui est chaque fois. Arrête de me... Putain... M'étonne que santé basse... Arrête pas de me ralentir et de me faire des bisous, gros, là. Il va revenir dans 2 secondes. Il est mort là. Oh Dieu merci. Ah ouais c'est... S'il vous plaît monsieur les développeurs, arrêtez de nous faire... être bloqué, c'est énervant quoi. Dans le jeu si on peut pas bouger on est mort. Je croyais qu'il était mort lui. Merde j'ai loupé le coche. Il a repris de la vie, cette espèce de salopard. Quel boulet. Je crois qu'un peu, quoi, il est reparti pour un tour. Ah, c'est quoi.
J'aime bien le sniper. Attention, là, je vais me couvrir avec le cochon, là. Maintenant. Quel bordel. Il faut être continu de gaspiller tes dalles, hein. Ouais, plus de balles comme ça. Comme ça pour reprendre. Et tout à l'heure je ne leur tire absolument pas dessus. Je ne fais qu'essayer de survivre à l'armée d'emmerdeurs qui me harcèle. Oh, les culs putain qui se mettent en plein de... Je commençais à sortir la tête de l'eau, mais tout de suite il me réharcèle. Sincèrement, l'idée du boss, moi je la trouve excellente, mais alors l'histoire de nous ralentir et de nous coller, c'est d'un désagréable pour là. J'ai l'impression de subir un viol, hein. C'est vraiment pas, en termes de gameplay, pas du tout agréable. C'est un peu dommage. Ah, j'ai crevé là. Ouais, j'ai... J'ai pas de mec à qui faire un glory kill pour prendre un peu de santé, là. D'ailleurs, j'espère après cette série-là que c'est terminé, parce que c'est vraiment casse-couille. En plus, j'ai plus de balles. En plus, là. Yes. Allez, atterris, bam. L'autre. Dommage. Il est où, il est où? Hop.
Je vais le taper. Oh, Dieu merci. Hein. Bon, normalement, on a tout fait. Hein. On a fait ça proprement, à part le dernier boss. Bon, j'ai loupé une fois le fait de taper sur le truc. Je pensais vraiment que ça serait terminé là-dessus. Et puis, pas cool. Pas cool, Bertin, cette histoire de nous bloquer. J'ai l'impression de rejouer à Remover de Porcelain, Bachelor 2. Ouh, j'espère qu'elle va pas se réveiller, la grosse mandibule, là. C'est Godzilla. Oh, bon Dieu, bon Dieu. C'était pas une mandibule, c'était sa corne. Alors, on en a affronté des grosses bestioles, mais là, je crois que... C'est mes loups dessus. Hein. En tout cas, la mise en scène est sublime. Hein. Fait ce qu'il voulait. Vous pensez être prêt pour ça? La sphère de vie du Seigneur des Ténèbres. Si vous le faites, il prendra forme physique. Allez, la mise en scène est super. Alors, j'ai beaucoup mieux aimé dans ce niveau-là le côté comment. On a eu moins de zones d'affrontement terribles et longues. Il y en a eu, mais vraiment plus sporadique au niveau des boss, comme le dernier. C'était pas à tout va. Ça, c'était vachement bien. Quelques énigmes, pas toujours simples à trouver, mais ouais, ce deuxième niveau était beaucoup plus sympa en plus. Avec deux nouveaux ennemis, les ennemis la posséder, où il faut utiliser notre lance à la Ghostbuster. Espèce de grosse mandibule, c'était super sympa. Donc, beaucoup plus de nouveautés et très sympa. Et la mise en scène des petites cinématiques sont super, surtout à la fin. Hâte de voir le prochain niveau.